Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter, non pas un pain, non pas un plat, non pas autre chose, je vais vous présenter un gâteau. Et un gâteau qui est un classique revisité par ma belle-mère, qui est une génoise aux fraises. Donc, un petit salut à ma belle-mère au Venezuela, Madame Imilda. Elle se reconnaîtra, j'espère. Bref, passons à l'action. Suis-moi. Pour ce gâteau, il va nous falloir 6 œufs. 6 œufs qu'on va casser dans un bol. Auquel on va ajouter un zeste de citron. Pas un zeste, mais un jus de citron. On va ajouter 180 g de sucre. Voilà. Une cuillère à café d'extrait de vanille et une pointe de sel ou un quart de cuillère à café de sel. Une fois que tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir les battre dans notre mixeur à une vitesse moyenne. On va battre notre mixture pendant environ 12 minutes jusqu'à ce que la mixture ait triplé de volume. Comme tu peux voir. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche. Dans un bol, j'ai préparé 180 g de farine à pâtisserie, ou de la T45 ou triple zéro. L'aide d'un fouet, je mélange la farine. Je vais l'incorporer à notre mixture en la passant au travers d'un tamis. Je vais aller par étapes. Cette étape est vraiment importante. Ne mettez pas votre farine directement, sinon vous allez perdre toute l'air. Avec une spatule, mélangez votre farine ou incorporez votre farine tranquillement, doucement, pour éviter de perdre l'air et la légèreté de notre mixture. Voilà, on va pouvoir transférer notre mixture dans un plat. Au préalable, on a préchauffé notre four à une température de 190 degrés. Dans un moule de 25 cm, je vais mettre un petit peu de beurre et de la farine. Pour inverser notre génoise. On va placer notre génoise au four pour une durée de 35 minutes. Pendant que notre génoise cuit, on va dans une poêle qu'on a préchauffée à feu moyen et on va toaster 100 à 120 g d'amandes.
Dans la poêle, on ne rajoute aucun corps gras, c'est juste les amandes et on va les bouger plus ou moins constamment. J'espère que vous voyez sur la caméra nos amandes ont bien toasté. Maintenant, on va couper notre feu et on va les laisser refroidir sur une assiette. C'est vraiment ce qu'on cherchait à voir. Et pendant que la génoise refroidit, on va préparer le reste des ingrédients. Pendant que notre première génoise refroidissait, j'ai préparé une seconde génoise avec la moitié des ingrédients que j'ai détruit et complètement émietté, si vous voyez. Ça va nous servir pour le remplissage de nos étages du gâteau. Bien évidemment, comme c'est une génoise aux fraises, il nous faut des fraises. Ici, j'ai 1 kg de fraises biologiques qu'on va couper sur une planche ou en bois ou en plastique. Ce qui est important sur votre planche, assurez-vous que vous ne l'utilisez pas pour autre chose. Ou si vous l'utilisez pour autre chose, comme couper des oignons, de l'ail ou autre, utilisez l'autre côté de votre planche. Sinon, les fraises, elles vont absorber le goût. Avant de couper vos fraises, faites un premier tri, voir lesquelles sont les plus belles. Les plus belles vont vous servir pour couvrir le top de votre gâteau. Réservez peut-être 10 à 15 fraises. Vous voyez celles qui ne sont pas mûres ou attaquées. Et celles qui sont uniformes. Vous voyez? Essayez de sélectionner les fraises qui ont cette forme-là. Sinon, quand on va mélanger des formes différentes, ça va pas faire joli. Un autre exemple, celle-ci pourrait être bien, mais elle a des parties un peu plus mûres et un peu moins jolies. Donc je vais la réserver pour l'intérieur. Peut-être pour la décoration. Ok. Donc ça, on peut considérer que ce seront les fraises qu'on va utiliser sur le dessus. Et ça, les autres pour le filling. On va pouvoir les couper. Donc dans un premier temps, on va couper les queues. Donc ici, nous avons les fraises qui nous serviront pour le dessus du gâteau. On va faire un premier essai dans une assiette pour nous assurer qu'on a la bonne quantité de fraises. Parfait. Voilà à quoi ressemblera le dessus de notre gâteau. On a donc assez de fraises. On garde le reste quand même au cas où.
lorsqu'on fera notre montage, si on en a besoin de plus. Le reste des fraises, on va pouvoir les couper et les réserver de côté. Pareil, ça va nous servir pour notre garniture. On répète la même opération avec le reste des fraises. Je pense qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser le kilo complet de fraises. On va passer à la chantilly et on verra lors du montage si on a besoin de plus de fraises. Pour notre chantilly, j'ai placé le bol de notre machine pendant une dizaine de minutes au freezer avec la crème fraîche. Ici, j'ai 600 ml de crème fraîche. Auquel je vais ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille et 90 g de sucre glacé. Et je vais mettre notre machine sur une vitesse rapide. On va pouvoir passer à l'assemblage. Notre génoise a refroidi. Ici, je vais préparer un plateau pour pouvoir assembler notre gâteau et le servir. Ça, c'est un carton que j'ai découpé il y a longtemps. À chaque fois que je l'utilise, vous voyez, il y a plusieurs feuilles d'aluminium. Je viens coller une nouvelle feuille d'aluminium. C'est assez simple et c'est assez efficace. Je vais mettre de la colle un peu partout. Voilà, on a une assiette prête pour travailler. Notre génoise, on va maintenant venir la couper en deux. Parti. Voilà. On a notre chantilly. Ici, dans un pot, j'ai préparé 500 ml de lait auquel j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de rhum et 2 cuillères à café de sucre. Avec un pinceau, on va venir généreusement
imbibé notre éponge ou génoise de ce sirop. Voilà. Maintenant, on va ajouter une couche de chantilly. Des miettes. Notre seconde préparation. Des fraises. En fait, ça un peu comme une pita. Hein. C'est l'intérieur. L'idée, c'est de remplir notre garniture. D'ailleurs, en parlant de pizza, si vous voulez une recette de pizza, laissez-moi savoir. J'en fais très régulièrement. Des amandes. Et on passe au deuxième étage. Et on recommence la même opération. Donc lait. Chantilly. Pour notre dernier étage, bien évidemment, comme vous voyez ici, on a la croûte de notre gâteau. On va pas pouvoir le mouiller. Donc avant de le transférer, on va mouiller notre éponge. On transfère. Et on le mouille quand même un petit peu sur le dessus. Maintenant qu'on a mouillé notre gâteau en dessous, la croûte est devenue un peu plus absorbante. Voilà, chantilly. L'idée dans cette opération est de lisser votre chantilly pour que vos gâteaux aient une apparence plate sur le dessus. Et on remplit aussi les bords de chantilly. Pas trop mal, on va finir un peu ici. Maintenant, on va pouvoir passer aux fraises. Il reste encore quelques fraises. On va pouvoir remplir. Prendre nos amandes. Et bien saupoudrer un peu partout. Quelques miettes de gâteau. Bon, ça n'a pas l'air très joli tout de suite, mais. Voyez-moi, ça va avoir de l'effet après.
Le restant des amandes, on va essayer de les mettre un peu comme ça sur le côté. On va le placer au frigo pendant au moins 12 heures, le temps que les ingrédients absorbent et le gâteau se mette en place. Si tu as aimé cette vidéo... C'est bon ça. C'est très bon ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'inscrire si ce n'est pas déjà fait, laisse-moi un commentaire. Et j'en profite pour dire un bonjour à Yuri et son mari qui nous regardent depuis le Japon. À bientôt !